Eh bien, salut à tous les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre aventure sur 7 Days to Die. Les amis, alors on a passé la nuit dans le bunker, alors par contre c'était vraiment... Voilà, c'était vraiment quelque chose, hein. Parce que là actuellement, il y a des chiens qui m'ont emmerdé toute la nuit. D'ailleurs, ils sont au-dessus, hein. Je suppose qu'on va devoir justement s'en charger. Alors, hop, attendez une seconde. Hop, ma souris faisait des siennes. On va récupérer tout ça. Vous savez quoi? On va laisser. On va tout laisser. On va juste récupérer nos flèches. Et puis, on va récupérer, bien entendu. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec nous? L'argent et de quoi vendre. Alors du coup, on va récupérer ça. Ça, c'est quoi? Pièce de fusil à pompe, ça, je vais les garder. Ça, je peux les revendre. Ça coûte combien? Ouais, 16 dollars, je vais les garder. La batterie, 30 dollars. Le moteur, par contre, 200 dollars. Ça, le moteur, je vais le revendre. Pour l'instant, on n'a pas encore... On n'en a pas besoin. La lance en acier, j'en ai pas l'utilité maintenant, puis on en récupère assez vite. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à vendre. J'ai pas l'impression. On va commencer à bouger d'ici. En même temps, on va loot, hein. Hop. La pierre, je vais la récupérer. Ok. D'un moment faut mourir Gaillard. J'ai plus rien. On a vraiment plus rien au niveau santé là. J'entends encore un chien. On va boire un coup. On va manger un morceau. Alors on récupère un peu de vie comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on n'a rien. Ah ouais, par contre, les chiens, ils vont nous tuer. Hein. Comment on pourrait faire? On a des zombies partout. Waouh. On va s'éloigner un peu. Alors le trader est là-bas. Allez, direction trader. On va récupérer un peu de soins. Un miel, si on n'en a rien, ça serait bien. Ouais, on va faire ça. On va essayer de récupérer un miel pour notre affection. On va essayer de récupérer aussi du soin. Parce que là, on est un peu dans la brise. Ah, bah oui. C'est-à-dire, elle est fermée. Ah. Peut-être l'ambulance, peut-être y aurait du soin. Allez, dis-moi qu'il y a du soin, du soin, du soin. Yes, antidouleur. Ça se prend. Hop, juste avant qu'il me touche. Parfait. Ok.
Ok, le trader va pas tarder à ouvrir. Objectif d'aujourd'hui, les amis. Oula, un ours. Alors, faire attention. Objectif d'aujourd'hui, on va essayer de récupérer un endroit dans lequel on va aménager. Parce que là, c'est vrai que dans le bunker, bon, on est protégé, hein, mais c'est pas encore ça. Alors, objectif d'aujourd'hui, trouver un endroit. On va faire la première mission. Et puis ensuite, on va essayer de trouver un endroit où on pourrait s'installer. Hop. Alors. Je vais te revendre ceci. Je vais te revendre ça. Je vais te revendre ça. Parfait. Là, on a 486. Alors, déjà, il y a un miel. On l'achète. On va se le prendre. Voilà, l'affection, c'est fait. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as du soin? Non, il n'y a pas de soin. Non, il n'y a que du miel. Ok. On a 246 dollars. You cheap son of a bitch. On va boire un coup. Hop, deux coups même. Alors, ok, bah écoutez, on va faire notre première mission. Travail, élimination de zombies à 100 mètres. Ah bah c'est... Ah par contre, Ah ouais, mais par contre, attendez, on a un petit souci, quoi. On fait la même... Bah écoutez, allez, on le fait. On va juste récupérer nos affaires bien avant. Parce que... L'ours il est là-bas, ok. On va faire un truc, c'est qu'on va aller récupérer nos affaires avant de commencer la mission. Alors je sais pas si c'est encore les chiens. Ouais, c'est une bonne question. Alors, on démarre pas la mission, hein. On va tout de suite récupérer nos affaires. Parce que si on démarre la mission, on va perdre tout ce qu'on a. Ouh, hop. On récupère tout. On va profiter aussi pour looter, hein. T'es là toi. Allez, ça me tape. Attendez, tu vas courir. Sérieux? Hop. Je rentre, par attention. Mais il meurt jamais. Ah voilà. Punaise. Ah il est vraiment il est chaud lui hein. Du coup. Ok, on va prendre un coffre. On va l'éloigner un maximum. Bah, je pense que là, ça devrait être bon. Allez, on récupère nos flèches. Et on va aller bah justement faire la mission.
Voilà, voilà pourquoi j'ai fait ça, hein, tout simplement. Attendez. Non. Sérieux? Non, c'est pas... non, c'est une blague. Quoi? Non, c'est une blague. J'ai pas mis assez loin mon coffre, mais attendez, il faut quand même mettre. On a tout perdu, les amis. On a tout perdu. Là, j'ai la... Franchement, je vous dis clairement, là, j'ai la haine. On a perdu toute notre... Oh, putain. On va essayer de se refaire rapidement. On va se refaire, on va se refaire. Allez, levez-vous. Pas le temps. Je rentre. Ok, merci bien. Bon, on a tout perdu, du coup, on va se refaire assez rapidement. C'est pas très très grave. Bah, on a perdu pas mal de choses intéressantes. C'est bon, allez. Hop. Alors, du coup, ça, je recycle. Hein. Ça, écoutez. Voilà. Ça, on va le lire. Ça, on va... Manger. Ok. Pas de bouquin, dommage. Hop. J'arrive pas à le voir. Ouais, puis tant pis, allez. Nickel. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ok. Alors on a fait un mauvais démarrage, hein. Ça c'est sûr. Très très mauvais démarrage. Oh, on a un méga crush. Hein. Oh.
Ok. Parfait. Allez, on récupère tout de suite le loot. En tout cas, c'est chaud, hein. Ah, il y a encore mon feu de camp. Ok. Il y a encore mon feu de camp dans le bâtiment. Là, on est plutôt pas mal. Je vais lire ça. Je vais lire des bouquins de cuisine, médecine. Et on a. Alors, pète la pistole. Dégâts maximum des armes de calibre 9 mm affiche 10% de dégâts supplémentaires. Pas mal. Pas mal, pas mal là. Ça, je veux recycler. Ça, je veux recycler. Et en plus, on a récupéré un miel. Nickel. Je vais me soigner. Enfin, j'ai pas le choix. Allez. La mission est validée. On va récupérer la pierre. Hop. On perd pas plus de temps. Allez. Ah oui, par contre. Ouais, c'est ce que j'avais vu. J'avais vu une caisse. Ah, ça. Hop, hop, nickel. Alors, on est lourd. Ça, je vais le porter. Ah, on a la vitamine, yes, nickel. Voilà, là on est plutôt bien. Par contre, on est toujours infecté. On va, hop. Voilà. Tout correct. Allez, on va tout de suite. Je vais fouiller le sac. Allez, on va aller au trader. Voiture, ça je prends. Oh. Hop. Oh, pas mal. On peut faire les bandages médicaux du coup. Elle va mourir toute seule. On va récupérer les plumes. Ok. Wow, on est lourd, hein. On est très très lourd. Alors, qu'est-ce que tu proposes, hein? Bon, allez, on reprend les magazines. Est-ce que tu as un travail à me proposer? À 244 mètres. Qu'est-ce que je pourrais te revendre? Ah, y a rien à revendre. Ça, j'utilise pas, du coup, je peux te le revendre. Ça aussi. Et le reste, je peux pas te le revendre. Alors, hop, nourriture. On peut faire le pain de maïs et le thé de gerbe d'or.
Système B. Nickel. Et on a deux livres de fusée à pompe. Hein. Ah, et là aussi, piège électrique, tiens. On peut faire le fusée à pompe de tuyau ni de qualité 2. Intéressant. D'ailleurs, on n'a pas encore loot le trader. On va le faire un peu plus tard. D'ailleurs, j'aimerais lui laisser. On va faire ça. Hop. Je vais garder le bois, la nourriture. Ouais. Les plumes. La thune, pas vraiment. Et les tuyaux. D'ailleurs, on va réparer. Hop, notre arme. Voilà, on va laisser le tort. Allez, j'ai pas envie de te tuer, toi. Je te laisse tranquille. On va aller faire la mission. D'ailleurs, si c'est une maison, ça serait super. Comme ça, on pourrait s'installer. Non, mais c'est une blague, quoi. Il y a un ours juste à côté. Oh, en plus, il y a un chien à ma gauche. Non, mais sérieusement, quoi. Ah, nourriture, là je prends. Bon, l'ours est là-bas. Ah, c'est Beau Market. Ah ouais, mais je pourrais pas m'installer là. J'aime pas cet endroit. On va récupérer le bois. Je vais laisser. On a un flic. J'ai pas envie de me le faire, le flic, mais bon, il va me gêner. Exploser. Waouh. Oh, l'explosion. Allez, on va faire cette mission. En colère. On peut faire des bandages de boxe. Intéressant. Ah, il m'a mis quand même un coup, hein. Hop, ça, je vais les porter.
Allez, let's go. Pas un bûcheron, mais sérieux. Yes. Ah, faut mourir mon corps. Ah ouais, quand même. C'est hyper chaud quand même. Pardon? Ah mais il y a un chien. Non mais sérieux quoi. On est embêté partout. Ouais, faut le tuer. Waouh. Waouh. Eh, c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Relève-toi. Parfait. Tout ça, bah, on récupérera plus tard. Il court en forêt. Waouh. Allez, encore un chien. C'est pas vrai. Ah.
Bah, on voit que dalle. Je peux pas faire de... Ah ouais, je peux pas faire de flèches. Je vais réparer ça. Juste là. Nickel. C'est chaud. C'est très 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 chaud. Oh Ok. Ok, nickel. Waouh, mais c'est vraiment chaud, hein. On a récupéré sa vie. Nickel. Et on a une... Oh! Bien la hache niveau 3. Ah ça. Là je suis content là. Oh, genre bien recyclé. Bah allez, on va le porter. Ça, on va le manger. Franchement, le loot est plutôt sympa. Je rêve ou l'ours m'a aggro. Radical et explosif. Ok. On viendra récupérer les autres affaires. Pour l'instant, je vais courir directement en direction du trader. Ok, l'ours m'a pas aggro, nickel. Ah, c'est plutôt parfait. Alors moi qui voulais de la difficulté, c'est pour ça que je suis venu dans la terre, désolé. Ben, je suis servi, hein. Un chien. Ok. Great
Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Bah, y a pas grand-chose d'intéressant. Pièce mécanique, ouais. L'eau, peut-être. L'eau, ça pourrait être sympa, du coup. Est-ce que tu as un autre travail? Provision enterrée. Ouais. 555 mètres. On va prendre celle-là. Ah, c'est Beau Market. Non, bah, j'en veux pas. Et celle-là, c'est Husky Manor. Better not disappoint. Non. You must be a half a zombie already, or got shit for brains to cross me. Comment ça? Les deux mitrailleuses, ça je vais te le revendre, ça je vais te le revendre, ça aussi. Ça. Je revends. Ça. Ok, alors le programme, ce qu'on va faire, là il est 16h44. Ah, on a plus de flèches, allez viens. Voilà. Je vais me refaire des flèches. Alors, on est un peu lourd. Ben, je vais manger ça. Elle me refait de la pierre, du coup. Oh, allez, vas-y, je vais recycler. On va laisser vraiment les choses qui sont pas intéressantes. Ah, d'ailleurs tout, hein. Voilà. On va garder ça sur nous et on va laisser se trouver un endroit où on va aller se bah, s'installer quoi. Alors où est-ce qu'on pourrait s'installer? Provisoirement, bien entendu. Alors où est-ce qu'on pourrait s'installer? Pas trop loin du trader. Réfléchir. Après, on pourrait s'installer ici, hein, provisoirement. De la pierre. Ouais. Après, on peut s'installer ici provisoirement, mais on pourrait faire ça. Pour réparer ça, il faut quoi? Ouais, l'acier. Du fer forgé. Ouais. Après, il y a le bâtiment là, mais le bâtiment là, il a l'air d'être grand. Ça a l'air d'être un échelon 3. On va tuer lui là déjà. Ah,
Ah, tu m'as trouvé, hein, pour rien. On va attendre que l'endurance remonte, on va voir un coup. Ok. Ah, j'avais même pas fouillé la voiture. Ok. Après là, c'est du bois. Après, on peut fermer le garage. Ah, on peut faire comme ça. Attendez, je réfléchis. Hein. Ah, vous savez quoi? On va s'installer là. Ouais, on va faire ça. On va s'installer dans le bunker en attendant qu'on trouve un endroit, quoi. On va aller récupérer toutes les affaires. On va s'installer en bas et comme ça au moins... être pas mal. Voilà. Ah, je suis lourd. Alors là, faudrait pas que je me fasse aggro maintenant. Normalement, je dis ça. Hein. Ah, c'est lui qui m'a vu. Hop, voilà. Ok, allez hop. Allez, on s'installe là pour la nuit. Et on regarde ça. Voilà. Ça, on est plutôt pas mal. Alors ça, je vais tout prendre, je vais tout poser là. Voilà, c'est ce qu'on va faire, les amis. On va s'installer ici, dans le bunker. Au moins, en attendant qu'on trouve un endroit où on peut se poser. Ou alors, on fera notre propre base. On verra ça lors du prochain épisode, je pense. Pour l'épisode numéro... pour le prochain épisode, ce qu'on va faire... objectif, on va faire les missions. On va essayer de faire 2-3 missions, tranquillement. Et ensuite, en fin de journée, du coup, hein, on décidera où est-ce qu'on va s'installer. Un endroit assez sécurisé, ce serait plutôt pas mal. Soit on fait notre base, comme on faisait d'habitude, ou alors soit on s'installe dans une maison et puis on améliore tout en pierre pavée, puis ensuite en acier s'il faut. Ouais, on verra ça. On verra ça par la suite. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like, les amis. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez mettre vos avis dans l'espace commentaire. Du coup, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.